flamboyant. Ô flamboyant, quel arbre savoureux. La flamme de tes fleurs bien éclatantes illumine la cour de mon royaume d'enfance. Et tes feuilles enchanteresses y câlinent les yeux verts des écoliers et écolières. À travers le reflet de ta rose écarlatante, floraison qui frissonne de joie sous la douceur du vent printanier. Je m'appelle Mbe Diop, je suis enseignant en service à l'EF de Diamniadio en qualité de chargé des ressources humaines. Ça a été pour moi un plaisir de choisir le titre. C'est un titre assez provocateur, mais assez évocateur, dans la mesure où le secret des mots se veut porteur d'un lyrisme personnel qui ne sort pas de l'ordinaire. Je veux dire, croyez à ma bonne foi, en écrivant ce livre, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais plutôt dans le secret des mots. Et comme disait l'autre, n'eût été ma venue au monde, je ne serais pas poète, car on est poète et on devient orateur. Le secret des mots, à travers le secret des mots, se dessine trois dimensions, comme l'avait souligné mon préfacier, le professeur Mamoudou Kandji, que je salue de passage, à savoir la géographie et la vie avec ses misères et ses splendeurs, également aussi le lyrisme que je viens de citer, c'est-à-dire le lyrisme personnel et intime. Il y a beaucoup de thèmes qui sont développés dans l'œuvre. Il y a la mort, il y a la vie, il y a la corruption, il y a aussi les cas de viol. Donc, en quelque sorte, ce sont les mots dont souffre la société sénégalaise. En quelque sorte, ce recueil constitue une alerte. Une alerte à l'endroit de la société sénégalaise d'une manière particulière et le monde d'une manière générale.